Après l'annonce de l'annulation de la venue de Thomas Markle au mariage, Meghan et Harry font leur maximum pour le faire changer d'avis. Thomas Markle, le père de Meghan Markle, a annoncé, ce lundi 14 mai, qu'il n'assisterait pas au mariage royal de sa fille avec le prince Harry, ce samedi 19 mai au château de Windsor. Cette décision fait suite à de présumés problèmes de santé mais surtout aux récentes révélations sur les fausses paparazzades qu'il a organisées. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe au palais de Kensington. Une source proche de Meghan Markle et du prince Harry s'est confiée au Sun, Meghan est dévastée et veut que son père soit là. Ils essaient de régler ça pour qu'il vienne quand même. Des amis de l'ancienne actrice de la série Suits ont également évoqué l'état psychologique de la future mariée au Daily Mail, ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle veut absolument que son père soit présent. De son côté, le prince Harry fait actuellement son maximum pour que Thomas Markle soit présent au mariage ce samedi. Harry se sent coupable que cela soit arrivé à celle qu'il aime, il est dévasté. Il veut la protéger et c'est vraiment difficile à avaler pour lui, raconte un proche du prince. Il ne reste plus que 4 jours à Meghan et Harry pour convaincre Thomas Markle de faire le déplacement. S'ils n'y parviennent pas, la mère de Meghan sera le seul membre de sa famille présent.